Et salut tout le monde, c'est Anthony, on se retrouve aujourd'hui pour la démo, la découverte, hein, la démo de Motorcycle Club. Donc je l'ai fait en stream, voilà, s'il y a des gens qui passent au cas où. Pourquoi je l'ai fait en stream? Parce que c'est pas une vidéo qui va être spécialement très intéressante, c'est une découverte d'un jeu de moto. Donc on va faire le petit récapitulatif classique, voilà. Donc Motorcycle Club, sorti le 28 novembre 2014 sur PS4, Xbox One et PC. C'est développé par Big Ben Interactive, donc ça doit vous parler. Ce sont ceux qui ont développé Rugby 15. Donc Big Ben, c'est surtout, on les connaît pour les manettes qui durent 6 mois, hein. Ça inaugure pas vraiment du bon quand on voit le nom de l'éditeur ou de comment de l'éditeur. Donc c'est un jeu de course, un jeu de moto, hein. Je pense que j'ai pas besoin de le repréciser, vous le voyez à l'écran. Remplacer la moto actuelle par une autre, je m'en fous. Alors c'est ce qu'on fait. D'accord. Ok, ah oui, donc oui. Quand même, hein. Une info, on a les vraies motos. Voilà. On a les vraies motos, voilà, donc les vrais constructeurs, du moins, voilà, BMW, Suzuki, KTM, Kawasaki, Honda, voilà, donc il y a les vraies motos. Il y a les vraies motos. Tiens, on peut acheter les motos, donc. Enfin bref, donc voilà, ouais, donc apparemment trois types de motos. Donc on va commencer. Donc ouais, donc avant, alors peut-être régler les paramètres. Voilà, ça devrait aller. Ok, ça devrait le faire. Comment jouer? Bon, ça on s'en fout, hein. Allez, go. Course rapide. Ok, donc on a un mode multi, hein. On va faire la monte. Bon, déjà j'ai un peu vu le design des motos, donc moi je joue à Ride actuellement, hein, qui est absolument monstrueux en termes de photoréalisme, du moins. Je précise quand même, pour ce qui concerne les motos, on a vraiment un rendu photoréaliste. Et là, quand je vois ça, ça fait un peu flipper. Donc, je pense que ça va être une vidéo un peu what the fuck, hein. Je pense qu'on va halluciner vraiment dans cette découverte. Oula, je baisse un peu le son, ça gueule. Allez, go! Oula, il y a le Wizbot là qui s'est enclenché. Merde. Oula, c'est quoi ces conneries? Oh, je sais pas, il y a un truc qui s'est arrêté. Ok. Donc là, nous sommes à 213 km/h, ce qui est absolument pas visible, hein. Ah, mais la moto elle freine tout seul. C'est quoi ces conneries? Bah merde. Il n'y a pas une. Oula, on peut changer. Ah oui, ah, on peut changer de moto comme ça. D'accord. Oh là là. Alors est-ce qu'il y a d'autres vues? Il n'y a pas l'air. Oh putain, donc c'est totalement arcade, hein. Vous le voyez, j'ai pas besoin de vous le montrer. C'est totalement arcade, vous faites, regardez, vous faites ça, hop, voilà. Donc en gros, si vous jurez bien, eh bien vous tomberez jamais. Ok, des radars. Bon. Pour tout vous dire, j'étais pas vraiment au début. J'ai dit est-ce que je fais une vidéo? Puis je me suis dit pour taper un petit délire, ça pourrait être sympa. Ouais, donc graphiquement, c'est. Je vais pas dire que c'est moche, je vais être gentil, mais c'est vraiment pas terrible. Ça passe largement sur la PS3, ça, hein, je suis désolé. Je sais pas si le jeu est croche, j'ai pas fait attention honnêtement. Putain, mais que c'est pourri ce. Qu'est-ce qui. Pourquoi la moto freine toute seule? Alors apparemment on n'a aucune autre vue, hein. Ah si, j'ai rien dit. Oula, j'ai rien dit. Ok, donc juste avec la flèche, ouais. Ok, mais c'est un peu à chier, hein.
Ouais, je peux pas vous apprendre grand chose de plus. Bon, c'est totalement de l'arcade, c'est totalement assumé. Enfin, je sais pas si... Alors, il faut quand même savoir que ce jeu, il s'est fait saquer hein, par absolument tout le monde. Il s'est fait démonter dans tous les sens du terme. Il s'est fait démonter. Voilà. Il a eu des critiques très acides à son égard, ce qui a au vu de ce que je suis en train de voir et en train de tester est absolument justifié et justifiable. Ah c'est... Ouais. J'ai pas de mots là, vous voyez? C'est n'importe quoi. Et je suis dixième hein, quand même. Je sais pas s'il y a... Je comprends pas trop le... Alors ça me... vous savez à quoi ça me fait penser ça, changer de moto comme ça me fait penser à... Comment il s'appelle? À San Francisco, Driver San Francisco, qui était un très très bon jeu. Hein. Honnêtement, j'avais beaucoup apprécié ce Driver. Donc ouais, là je vais pas vous faire l'affront de vous faire cette... comment... de vous dire que ce... de vous faire connaître ce jeu. Bah en fait, il y a plein de gens qui le connaissent pas, mais le problème c'est qu'il est... il sera certainement connu pour sa médiocrité. Alors faut savoir quand même, donc là je précise, c'est la démo, hein, je l'ai dit en début de vidéo, mais la démo vient tout juste de sortir. Si je dis pas de bêtises, elle vient tout juste de sortir, pardon. Alors que le jeu est quand même sorti l'année dernière. Donc c'est un peu pour relancer le buzz autour du jeu. Le bad buzz là en l'occurrence hein, plutôt. Généralement quand on fait un buzz, c'est soit que c'est un truc assez mauvais, hein. Ou alors un truc très bon, et là on est dans le très mauvais, honnêtement. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment à chier. Je suis désolé. Regardez-moi ça, mais putain, on a l'impression qu'ils sont sur des pocket bikes, les mecs. Regardez la taille de la moto. Alors, je sais pas si c'est moi qui vois pas clair, hein, dans ça, mais la moto est extrêmement petite. Voilà, et là, alors qu'est-ce que ça donne là par contre? Parce que là, on n'était pas en moto de course. Ah, voilà, là c'est déjà un peu mieux, ouais. Donc, oui, donc. Pourquoi? Oula, il y a du clipping. Oh putain, oui, il y a du clipping sur la végétation. Donc oui, pourquoi ça, c'est relancer le buzz? Parce que sortir une démo maintenant, alors que le jeu est sorti en fin d'année dernière, c'est quand même du foutage de gueule. Hein. Ça me rappelle un peu les démos de Call of Duty. Call of Duty, on sortait les démos bien après le jeu, histoire de découler encore des jeux... Découler encore, faire encore quelques ventes, hein. Putain, la caméra donne mal à la tête aussi. Et donc oui, c'est relancé. Alors dès qu'on touche le bitume, c'est n'importe quoi. Oh là, quelle merde. Oh là. regardez l'effet de vitesse quand vous utilisez le nitro. On a l'impression que c'est des vieux effets là, faits avec Paint. Donc ouais, ça me fait penser un peu au Call of Duty où on avait le... Comment la démo qui sortait après. Faut quand même savoir que ce jeu il est vendu à plein pot. Hein. Donc il est vendu à 60€. Voilà. Donc bien sûr il est beaucoup moins cher sur internet, vous inquiétez pas. Hein. Bien moins cher sur internet. Il y a même apparemment, c'est ce que j'ai vu sur le forum du jeu, quelqu'un qui voulait se. Qui aurait pu l'acheter à 20€, on voulait lui faire à 20€. Ce jeu est mauvais. Je suis désolé, voilà, je vais pas. Je sais pas si Big Ben se rend compte de ce qui a été fait. J'ai regardé Rugby Cars, j'ai juste vu des différents screenshots hein, du jeu. Et franchement, c'est très, 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 très moche. Je suis désolé, c'est très moche. Là, c'est pareil. C'est vraiment. On est dans une. Je vais boire un coup pour oublier. Donc non, on est vraiment dans un jeu totalement what the fuck. Et franchement, j'ai fait qu'une seule course. Hein. Déjà, j'ai envie de couper. Je vous conseille pas ce jeu. Je vous conseille pas, voilà. Alors, point positif quand même. On peut le noter. Hein, c'est qu'ils ont quand même les vrais constructeurs. Et la jaquette qui est vraiment très belle. Et même l'arrière de la jaquette est sublime. Vous voyez les screenshots, vous dites c'est très joli. Sauf que quand vous jouez au jeu, c'est pas du tout la même chose. Donc non, je rejoins tous mes chers camarades qui disaient que ce jeu était pas terrible du tout. Et encore, je pèse mes mots. Voilà. J'aime pas cracher non plus sans cesse sur un jeu, mais là, je suis désolé, quoi. Alors,
pour le coup, on peut pas reprocher au jeu que c'est de l'arcade. C'est totalement, comme je dis, c'est totalement assumé. Oula, c'est totalement assumé, donc il y a pas de problème. Mais là, j'entends des critiques sur Ride, sur MotoGP, sur Amic GP, enfin sur le gros des licences Milestone, hein, qui sont pas parfaites, certes. Tout comme des critiques sur Gran Turismo, même si là on s'éloigne du jeu de moto puisque c'est un jeu de voiture, mais ils ont fait également Tourist Trophy, hein, pour ceux qui se souviennent, sur la PS2, jeu que je n'ai jamais essayé, voilà, malheureusement. Mais c'est là qu'on se dit que voilà, Ride il est pas si pourri que ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. On voit quand même ceux qui savent, qui s'y connaissent un minimum en moto et ceux qui ne s'y connaissent pas. Là déjà, rien que le fait d'être ralenti toutes les 3 secondes, je sais pas si c'est normal ou si c'est un bug, mais c'est assez relou, hein. Donc jamais, de toute façon c'est ça, il n'y a aucun effet de vitesse. Je vais vous mettre la vue à la première personne, voilà. Sympa l'effet de lumière par contre là dans le ciel, là, avec le soleil, fait de lens flare, c'est pas mal. Donc ouais, aucune sensation de vitesse, vous faites jamais ça en vrai avec une moto, j'ai pas de permis moto, voilà, mais vous faites jamais ça avec une moto dans la vraie vie, hein. C'est pour ça qu'il faut totalement prendre en compte que c'est arcade. Si vous le prenez comme simulation, c'est sûr que vous allez lui mettre un 0 pointé. Déjà là, même en arcade, c'est un 0 pointé. Donc, c'est quand même assez, excusez-moi du terme, dégueulasse de sortir un jeu à plein pot. Voilà. Un prix plein pot. Même techniquement, je veux dire, là honnêtement, on se contente de juste faire. Comment ? On se contente juste de tourner à gauche, à droite, vous voyez, alors, donc comme ça, et d'appuyer sur R2 et croix pour le nitro et à l'arrière, hein, pour changer de véhicule. C'est triste. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est triste. Oh, mais ça commence à me gonfler ça là. Putain, c'est quoi cette merde? Il y a plein de petits logos aussi qui apparaissent à l'écran, je sais pas exactement c'est quoi. On s'en fout. Je suis pas du tout concentré sur ma conduite. Hein. Les bruits de moto d'ailleurs sont pas très bons non plus, hein. Pas besoin de le préciser, je pense que. Même si vous l'entendrez peut-être pas à l'écran parce que. Enfin, en vidéo parce que j'ai baissé le son. C'est affligeant. Je me demande sincèrement combien de ventes a fait ce jeu, très honnêtement. Oh là là. Je vous ai laissé quelques secondes avec l'ambiance sonore, hein. Enfin ambiance sonore, au demeurant sympathique. Bon, c'est de l'ironie évidemment. Il n'y a pas de musique d'ailleurs, j'ai l'impression de fond, ce qui est assez étrange. Quoique si on l'entend un petit peu. Mais vraiment un petit peu. Bon, après j'ai réglé aussi les paramètres sonores forcément. Ça joue. Écoutez, je pense qu'on va vraiment s'arrêter là. Ce sera pas un stream très intéressant, du moins une vidéo découverte plutôt. Très intéressante pour vous, mais voilà, je tenais vraiment à essayer en fait. Je voulais vraiment me rendre compte à quel point ce jeu était raté. J'ai ma réponse, voilà. Alors par contre c'est fluide, hein, vous voyez à l'écran, il n'y a pas de problème. En même temps on est sur PS4, j'ai envie de dire si c'est pas fluide, je pense que même ce jeu sur une PS3, il est largement assez fluide. J'ai l'impression de jouer avec des Formule 1 sur les côtés. Là, j'entends les bruits des motos qui sont absolument ignobles. Oh là là. Ouais. Bon, bah. Tiens, Big Bad Wolf. Ça me fait penser à Big Bad Wolf, hein, pour ceux qui ont fait The Wolf Among Us. Un jeu que j'ai terminé, que j'ai platiné et je vous conseille. Il est excellent. Voilà, je vous le recommande. Ce jeu est une pépite. Au contraire de ce Motorcycle Club. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on revient des crédits. Voilà. À noter qu'on peut même acheter. Ah, si les routes sont sur les routes endommagées, privilégiées la custom. D'accord, voilà pourquoi on n'accélère pas. D'accord.
Enfin, ceci dit, des routes abîmées, vous roulez pas comme ça, même avec des routes abîmées, hein, je suis désolé. Ouais, donc vous voyez, on peut acheter le jeu complet, chose que je vais pas faire, évidemment. Et en plus, le jeu est plein pot sur le... Oula, plein pot sur le PlayStation Store, j'ai failli faire acheter le jeu ici, bientôt. Donc, on va se quitter là. Est-ce qu'il y a... Tiens, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, d'accord, il y a des petits défis. Bon, pourquoi pas, ça, c'est un petit aspect sympathique. Voilà, faire des défis pour gagner des crédits, il y en a pas mal en plus, hein, quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 28. Ouais, bon. Ok, bon, bref, allez. On va s'arrêter sur ce plan-là. Donc, j'espère quand même que vous apprécierez la vidéo, même si ça a été très court. Je vous recommande pas ce jeu qui est une merde absolue, du moins la démo. Le jeu final, je vous laisse faire votre avis si vous avez pris le jeu. N'hésitez pas à commenter si ça vous a, si vous avez une remarque à faire sur Motorcycle Conseil. Si vous voulez un bon jeu de moto, bah l'actu du moment c'est Ride, qui est, il n'est pas sans défaut, ça c'est sûr, mais il est vraiment fun à jouer. Moi je le trouve très intéressant. Ça change, voilà, ça change un peu des motos GP, stéréotypées, mais un peu des motos GP classiques. C'est juste un enchaînement de courses. Là, c'est la même chose dans Ride, mais le plaisir de conduite est un peu plus. Je trouve que c'est plus agréable de conduire sur Ride que sur moto GP. Bon, allez, cette fois-ci, on s'arrête vraiment. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao tout le monde.